Une caméra qui bouge toute seule, qui obéit au doigt et à l'œil, et suit tous vos mouvements. Ce sont les gestes d'Eric qui commandent la direction de la caméra. Il n'y a ni fil ni commande à distance. Il peut faire à peu près tout ce qu'il veut, l'appareil le suivra et le filmera. En fait, Pixio, c'est son nom, est connecté à un bracelet qui ressemble à une montre, mais qui est en fait équipé d'une balise radar. La montre que j'ai sur moi émet un signal qui est reçu par les deux antennes de l'appareil. Et lorsque je bouge, ces deux antennes me cadrent en permanence. Une petite révolution dans le monde de l'électronique, car il s'agit d'une première mondiale. Fixée sur un bord de terrain, des tests ont été effectués pour de nombreux sports, notamment en BMX, en skateboard, en gymnastique ou en équitation. L'appareil, d'abord conçu pour le monde sportif, fonctionne en intérieur comme en extérieur. Ici, deux caméras installées à bonne distance n'ont pas été perturbées l'une par l'autre. L'appareil réagit même lorsque les mouvements sont rapides. Et les Américains sont conquis. Allez, vas-y, suis-moi si tu peux. Je pense que ça pourrait être très efficace pour beaucoup de sports, notamment pour les athlètes qui veulent revoir leurs actions afin de s'améliorer. Quand ma fille fait son gala de danse, je suis toujours en train de me priver de la regarder parce que je filme. Donc là, au moins, je pourrais faire les deux, c'est génial. L'appareil doit être commercialisé cette année au prix de 600 €, de quoi révolutionner les usages. Ça va la démocratiser, on va pouvoir utiliser la vidéo beaucoup plus souvent parce qu'on a besoin de personne derrière la caméra. Et celui qui autrefois était un petit peu hors de l'événement parce qu'il fallait qu'il filme, maintenant il va pouvoir participer à l'événement et être filmé quand même. Alors non seulement la caméra suit mes mouvements, mais en plus à mesure que je m'approche de l'objectif, la caméra dézoome automatiquement sans aucune intervention, et ce grâce à une technologie intégrée à l'appareil.